Eh bien, bonjour à tous, c'est Excellas Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 18e épisode et probablement le dernier sur Rise of the Tomb Raider. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, c'est parti, on est en chargement, c'est normal. Je voulais juste revenir sur ce qui s'était passé avant. Déjà, normalement, c'est censé être, je dis bien, le dernier épisode parce que je me suis un peu renseigné sur la longueur du jeu qui est restée. Et normalement, c'est censé être le dernier épisode. Mais je ne sais toujours pas qu'est-ce qui se passe à la fin et j'ai hâte de voir en vrai, j'en pouvais plus. Ça fait 2 jours que j'ai pas joué, j'avais vraiment envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et du coup, on va le découvrir sûrement aujourd'hui, je pense, la fin du jeu. J'espère, parce que je pense que... ouais, ça peut être une bonne chose en vrai de terminer maintenant. Je vous avais parlé dans je sais plus quel épisode aussi, je me posais la question si les anciens Tomb Raider, c'est-à-dire dans les années 2005, 2006, tout ça, bref, quand ça a commencé, est-ce que c'était aussi... comme ça, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait une histoire et tout, et je me suis renseigné, et bien oui les gars, c'était déjà comme ça. En fait c'est, je le sais tout simplement parce que j'avais à l'époque la PS1 avec mes parents, etc. Mais mon frère et ma soeur, bref, on jouait à la PS1 et on avait Tomb Raider. Donc on avait Tomb Raider, Crash Bandicoot, des jeux classiques comme ça de la PS1 mais qui sont toujours aussi cultes. Bref, c'est comme ça que je sais quoi. C'est quoi un cercueil? On dirait les gars que c'est un cercueil. Je suis fou, non? Regardez. Ah, c'est ça, hein? Oh oh! Il y a du monde! Voilà. On va utiliser. Non, on va utiliser ça plutôt. Regardez, attention. Pas! Attention. Pas! Raté. Dommage. Attention. Voilà. Tac. On fait ça comme ça. Parfait. Ensuite. Ah, il y a du monde là. J'avais pas vu. Voilà. Oh, il y a encore du monde. Il y en a partout. Ok les gars, on va rentrer dans cette cité. Enfin, je dirais, parce qu'on a quand même pris pas mal de temps à juste rentrer. Donc... c'est cool. Parce qu'il y a eu tous les problèmes des portes, les trucs comme ça. Donc du coup, bah, c'était assez casse-pied. Mais maintenant, c'est bon. On va pouvoir y aller. Donc rappelez-vous, la dernière fois, on s'était battu ici. Hein. Allez, c'est parti. On a pété la porte. On va par là. Yes. Let's go. Waouh. Qui t'ai-je? Ah ouais. Oh, oh. Cours. Cours. Wow, j'ai failli oublier les gars qu'on pouvait faire ça. Allez, monte. Monte. Oh, tout est en train de s'effondrer. Allez, grimpe. Ok, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Oh, il y a du monde sévère. Et eh ben enfin, j'arrivais pas à le tuer lui avec son bouclier, je sais pas pourquoi. Ah, les gars, c'est pas ce que j'avais dit. La glace. En même temps, c'est normal, il y avait les trinitaires au-dessus hein, qui étaient en train d'essayer de la péter. Lara, les trinitaires se sont frayés un chemin, on ne peut pas. Ok, mais je dois aller par où? Ok, par là, je pense. Ah, les gars, il y a un feu de camp. Je vais aller faire un tour. Vous inquiétez pas, en off. Allez, on reprend cette fois. Je suis monté. Parfait. Alors. Encore. Des petites flèches. Comme ça. Je crois que c'est bon. Donc, on fait ça. J'aime pas du tout cette mécanique-là. Hein. Je suis désolé, j'aime pas du tout. Ok, ensuite. On monte. Parfait. Wow, wow. Il s'arrête un peu avec les catapultes là parce que ça commence à être chaud.
Mais ça veut dire qu'elle est là, hein, la source, hein, les gars. Ça veut dire que c'est sûrement la fin. Hein. Ok, on est dedans. Donc, hop. Voilà. Quitter. La truc doit être là, non? Non. Ensuite, par là. Et par là. Parfait. Allez, c'est parti. Let's go. Yes. Oh, purée. Explosion. Ok, là, c'est là. Donc, on fait ça. Qu'est-ce qu'il y a après, en fait? Ah, il y a un mur de glace, d'accord, donc faut mettre le piolet. Ok, ça va, c'est passé. Tranquille pour l'instant. Waouh, les catapultes radées, regardez. Comment ça part? Waouh, waouh, waouh. Il y en a trop, il y en a trop. Ok, maintenant. Allez, parti, le saut de la mort. Yeeha. Ok. On va croiser les trinitaires aussi, je pense. Je vais faire encore une fois un tour au feu de camp, même si je pense que j'ai rien. Effectivement, je n'ai rien. Let's go. Ok. Gagner le sommet de la tour. D'accord. Wow, 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 wow. Non, non, non. Regardez, il y a tous les trucs qui tombent. Elle grimpe. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Vas-y. Ah, c'est par là, d'accord, excusez-moi, je croyais qu'il fallait rentrer en fait. Rien à voir. Allez. Ok. Waouh. Le nombre de. D'immortels. Oh punaise, il y en a un autre. Le nombre qu'il y en a. Waouh. Moi qui pensais qu'on les avait presque tous éliminés depuis en fait. Mais que dalle. Ah super. Oh il y en a un là. Ah. Oh non. Allez. D'accord. Oh, c'est chaud, hein. Il faut continuer d'escalader alors qu'il y a tout ça. La glace est en train de se casser. Il y a des immortels de partout. Oh, les immortels. Waouh, waouh. Ensuite. Mais c'est qui balance les immortels là? C'est. Là. Par là, ouais, voilà. Parce que je suis mort, je vous l'ai pas dit. Ok, ensuite, tac, tac. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Mais pourquoi on doit escalader tout en haut pour sortir? Je comprends pas, parce que le but, on doit avoir la source divine. Allez, c'est parti en haut. Waouh! Ok, j'ai réussi. Allez, grimpe. Allez. Oh, punaise. Donne-lui un coup de pied. Voilà, encore. J'avais pas autant de balles, je vous le dis. Allez, monte. Mais c'est qui se bat contre qui en fait? Ah c'est d'accord, les trinitaires contre les immortels, d'accord. Non parce qu'en... Regardez, ils se battent avec leurs armes, on dirait un peu des... Lara, baisse-toi! Des immortels aussi. Où es-tu? Je te vois Lara. On va faire tout ce qu'on peut pour te soutenir d'ici. Merci Sophia.
J'ai besoin de toute l'aide possible. Ok, frayez-vous un chemin jusqu'à la chambre des âmes. Ok, enfin un moyen d'avoir plus d'armes. Pourquoi ? Je peux pas faire le tour. Je suis presque. Il faut que j'aille au bout. Mais pourquoi ? Faire demi-tour. Wow ! Allez, c'est parti, on continue. Point de non-retour. Il n'y a plus de feu de camp après ce point. Vous ne pourrez plus utiliser. D'accord. Donc ça montre bien que c'est la fin. Let's go. Yeah. Les gars, c'est parti pour la fin du jeu. Normalement. Bah normalement oui, parce que ils viennent nous dire qu'on pourra pas retourner au feu de camp. Donc que comme quoi c'était le dernier feu de camp. Donc ça montre bien que c'est la fin. Et je m'en fous. On termine aujourd'hui, hein. Allez, c'est parti. Oh punaise, une arène. L'arène finale. On va se battre contre Constantin ? Non, je pense pas que c'est ça. Constantin. Sophia, est-ce que vous pouvez l'atteindre avec le trébuchet ? On va essayer. Prépare-toi. Oh, ils esquivent. On va continuer à essayer. On n'arrivera jamais à l'atteindre. Attends, j'ai une idée. Si je tire sur la boule de feu quand elle passe à côté de l'hélico, l'explosion pourrait l'atteindre. J'espère que t'as raison. Donne-nous le signal, on se tient prêt. Ok. Maintenant. Allez-y, envoyez. Alors, ça a marché. Ça a réussi. C'est pas terminé. Préparez-vous à tirer à nouveau. Oh! Connexion au serveur impossible. Ah, petit problème de réseau. Ok. Oh, René, je sais pas ce que ça veut dire. Renéga, Renéja. Je ne sais pas. Je ne sais point, je ne sais guère. Ils reviennent. Oh non. Ok. On va prendre ça. Je suis censé faire quoi là? Ah, d'accord, pas me mettre devant. Raté. Merde. Sophia, on recharge notre trébuchet, attends un peu. On est prêt à tirer avec le trébuchet. Je suis prêt. On attend ton commerce. Est-ce qu'on se battre avec moi, espèce de lâche? Mais j'ai rien fait. Ils l'ont touché seul. D'accord. Oh là là, je les ai enchaînés. 4 balles, je m'en fous, je laisse la scène.
4 balles, 4 morts. Pam. Aïe aïe aïe. D'accord. Ouais, mais comment? Il faut utiliser les contenants de feu gris jouets. On est prêt. À ton signal. Ok. Je suis prêt. Ouais. Yes. Allez. Yes. Boum, Constantin, tu vas faire quoi? Oh, super. Oh, purée, il y a des immortels en plus. Ok. Par là. On va faire ça, regardez, attention. Bam. Ok. Bam. Ne vous inquiétez pas, je gère. Je perds pas trop de vie pour l'instant. Voilà. C'est parti. Le piolet, c'est vraiment incroyable. Hein. Vraiment. Ok. Je vais récupérer ce que je peux parce que j'ai pas grand chose. Il y a encore du monde ? Ah! Ouah! Ok. Un en moins. Lui avec sa grosse hache. Il est horrible, c'est le pire lui. Ah non, c'est pas le pire. En vrai, c'est celui avec le bouclier qui est horrible. Lui encore, ça va. C'est un peu comme celui avec les épées. Nickel. Boum, boum. Boum. Et boum. Voilà. Maintenant, trouver une sortie. Oh, les gars, regardez, le nom du chapitre. Oh, ils le remettent pas, je suis deg. Il y avait marqué la source divine. Waouh, boss final. C'est parti, je vais l'éclater. Je vais l'éclater, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre ça. Cet endroit sera votre tombe. Ok, on va faire ça. Boum. Et là, tac. Voilà. C'est parfait. Donc je pense que c'est en trois phases, les gars. Comme un boss dans tous les jeux. Ok. Alors maintenant, on va aller là. Oh, il y a un truc là. Yes. Allez, deuxième phase. Esquive. Non! Allez, c'est parti! Esquive! Yes! C'est fini? Non, c'est pas fini. Je ne peux pas finir comme ça. Je t'ai promis un grand destin. Ça n'a jamais été votre destin. Juste un mensonge que votre sœur a entretenu. J'ai fait tout ça. Oh, dans un seul but. Qu'elle vive. Vous n'avez pas le droit de partir. Attendez! Les Trinitaires ont tué votre père! Non! Vous mentez. Il nous a supplié de l'épargner. Et ensuite, il s'est servi de vous comme excuse. Vous mentez. Fermez-la, fermez-la. Et voilà. Brûlez en enfer. Aïe, aïe, aïe.
plus de Constantin, c'est fini. En même temps, c'était un pourri, hein, ce mec. Hein. J'ai récupéré mes armes, ouais. Allez, c'est parti. Anna, arrête! Oh non! T'es vaincu. Et ton frère est mort. Non, c'est ce que les Trinitaires ont apporté. La mort. Et c'est tout ce qu'ils apporteront. Abandonne. J'ai tout abandonné pour ça. Pas question de laisser les Trinitaires s'en emparer. As-tu pensé à ton père? Tu veux le condamner à être la risée de l'histoire pour toujours? Comment peux-tu seulement l'envisager? Tu es si près du but. Je préfère encore faire ce sacrifice. Je ne peux pas te laisser la prendre. Pense aux millions de personnes malades et mourantes. Nous pouvons les sauver. Nous pouvons changer le monde. Rejoins-moi. Le prix à payer est trop grand, Anna. Nous ne sommes pas censés vivre éternellement. La mort est une étape de la vie. C'est facile à dire pour toi. Tu n'es pas en train de mourir. Il ne s'agit pas que de toi. Toute l'humanité est concernée. Nous devons préserver notre mortalité. Ils approchent. On est encerclé. Jacob. Mais il est immortel, non? Le monde n'est pas encore prêt pour la source. Saisis ta chance, Lara. Après tout ce que j'ai fait, tout ce que tu as fait, ce n'est pas la peine qu'un autre Croft meure pour ça. Je suis prête à mourir. Il y a tous les immortels. Pitié, je suis mourante. C'est mon seul espoir. Anna, non! Vas-y. Ça va aller. Je suis désolé. Et oui, c'était grâce à ça qu'il vivait. Les immortels vont mourir, Jacob va mourir. Punaise. Jacob, accrochez-vous. Je m'accroche. Depuis bien trop longtemps. Vous saviez que j'allais la détruire. Durant toutes ces années, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi extraordinaire. Mon heure est arrivée. Je meurs. Je suis désolée. Bah c'est sûr, pour un gars qui est immortel. C'était changer les choses. Vous avez réussi. Vous avez réussi. Il meurt comme Thanos. Excusez-moi. Dans Endgame. Il meurt comme Thanos. Ma très chère Lara. Je me dis souvent que mon père se retournerait dans sa tombe s'il savait à quel point j'ai déshonoré le nom de notre famille. Croft, qu'est-ce que cela signifie? J'espère juste que tu arriveras à laisser une trace dans ce monde un jour. Souviens-toi, l'important, ce sont les choses que nous accomplissons, pas qui nous sommes. Détruire la source était la seule chose à faire. Je l'ai quand même laissé tomber. Je pense qu'il aurait fait pareil. Allez, t'as un avion à prendre. Le truc qu'il y a là autour du cou, c'est le truc qu'il y a dans le film.
J'ai vu le film il y a pas longtemps en fait. J'avais déjà écouté cette bande des milliers de fois. Mais à cet instant, j'ai eu l'impression d'entendre les paroles de mon père pour la première fois. Peu importe ce qu'il aurait fait, je dois faire mes propres choix. La cité de Kitej existe bel et bien. Il se cache des secrets là-dehors qui peuvent changer le monde. Je dois les découvrir. Pas pour mon père, ni pour qui que ce soit d'autre. Mais pour changer les choses. Espérons que ce soit pour le mieux. Et voilà. Rise of the Tomb Raider. Vous m'avez entendu dire ce nom 17 fois, 18 à partir d'aujourd'hui en fait. C'était cool, franchement c'était cool. Un jeu qui est sorti il y a pas mal de temps, mais franchement j'ai bien aimé. Il est sorti en 2015, hein, franchement j'ai bien kiffé, dites-moi ce que vous en pensez. L'histoire était quand même bien. Alors j'avoue que je suis un peu déçu de la fin dans le sens où elle est un peu basique, mais bon, à mon goût bien sûr elle est un peu basique, mais en soi c'était quand même super cool avec le fait de, rappelez-vous au tout début les Russes, les trucs comme ça, les camps russes etc, les trinitaires, bref c'est vraiment pas mal, franchement j'ai bien aimé. On va passer le générique parce que ça va être long. 2 semaines plus tôt. Anna, quand tu as dit, ce n'est pas la peine qu'un autre Croft meure pour ça. Qu'est-ce que tu voulais dire au juste? C'est elle qui a tué le père. C'est toi qui as tué mon père, c'est ça? Les Trinitaires me l'ont ordonné. Mais je n'ai pas pu le faire. Tu mens! Je l'aimais. Non! C'est fait. Bien. Je m'occupe de Croft. Non. Pas encore. Ah. Donc ça, si j'imagine, c'est dans la suite. Avec Shadow of the Tomb Raider, je crois que c'est. Je crois que c'est la même chose, mais dans ce sens-là, cette fois. Et voilà. Et ben ça y est, les gars, on a terminé le jeu. Waouh. Bon, alors par contre, on peut pas dire que c'est vraiment terminé. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis à 59%, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'objectifs secondaires et que je pense qu'on peut les refaire. Donc du coup, voilà. En tout cas, on a terminé ce jeu. C'était très très cool. Je suis très content, les gars, de l'avoir terminé. On fera, ne vous inquiétez pas, le deuxième jeu Tomb Raider que j'ai aussi. Mais pas tout de suite, hein. D'ici, je sais pas, quelques jours, je vais prendre une petite pause avec... dans le sens où je vais faire une vidéo sur deux maintenant, juste les vidéos Minecraft. Je vais maintenir ça et je prépare aussi l'autre grosse vidéo que je vous ai déjà parlé. Elle arrive bientôt, les gars. Il y en a même deux, finalement. Donc c'est pour ça, je passe un peu de temps là-dessus, mais ne vous inquiétez pas, on reprendra l'histoire de Tomb Raider dans un peu de temps. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, ça me fait vraiment plaisir les gars d'avoir partagé ce jeu avec vous, ne vous inquiétez pas, on verra la suite bientôt, et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye bye. Come on.